Yubidibidou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer nos petits trucs. Et donc, je me suis aperçu en fait, après la fin du Let's Play 7, que j'avais ça à donner. Voilà, un petit boyau de Danabu, je sais pas quoi là. Pour finaliser cette petite quête. Parce qu'on l'avait pas fini, hein. Non. Ah, c'est arrivé de manière couteau. Au-dessous. Oh la vache. Il fait flipper lui. Vas-y, donne-moi ta bouffe là. J'ai un couteau, ouais. Alors donne-moi ta bouffe. Ah, tout frais du dernier arrivage. Alors qu'est-ce que t'as à me donner? Pour un petit bout de machin, qu'est-ce que t'as à me donner? Vas-y, je t'écoute. Donc, ah déjà, 1000 XP. C'est pas rien, c'est pas négligeable, j'ai envie de te dire. Alors du blé, d'accord. 5 tomates, d'accord. 5 riz, d'accord. Et c'est tout. Mais t'es radin en fait. Alors on va prendre ton autre quête, tiens. Vas-y, on t'écoute, hein, parce qu'on sait que t'as beaucoup de services à demander, mais genre énormément. Ah d'accord, t'as une essor bloquée, bah, qu'est-ce qu'on va faire? T'as plus de flageolet? Oh bah merde alors, c'est con ça. Si tu veux, moi j'ai de la mojette. Vu que je suis devant, je peux te filer de la mojette, c'est pareil. Flageolet, mojette, c'est juste que les flageolets c'est plus petit. Mais tu pourras quand même péter, t'inquiète pas. Voilà, tu manges des pruneaux, tu verras, ça sort tout seul après. Éliminer les monstres qui bloquent la livraison. Oh, bah ça va être mignon, ça va être mignon. J'aime bien ça, éclater des monstres. C'est très loin ou pas? Alors, la fin des haricots. Ah, niveau 22. Oh, bah c'est qu'on va se calmer. Hein. Si c'est niveau 22, on va y aller doucement, hein, petit à petit, d'accord? Tout d'abord, on va faire la guerre et déclarer. Hein, parce que déjà, on n'est pas level 22. On va... Tout doucement. Hein. Donc, la guerre est déclarée. Alors, on va prendre la tuture. Salut la tuture. Ma belle voiture, ma petite, ma douce. Salut la tuture. Ah non, c'est qu'elle est... Genre, on l'avait laissée là-bas. Attends. On l'a laissée où la tuture là? Ah si, on l'avait laissée là-bas la tuture. Mais on va rejoindre la tuture. Non. Retourne la voiture. Et bim. Alors pour votre information, je viens de découvrir que le roi Régis plutôt de Luchis est le 113 est le 113e roi de Luchis justement. Donc voilà, c'est tout. 113e roi. Hein. Et donc Noctis qui est le 114e. Non mais je veux que tu me mettes à la quête. Je veux que... mais pourquoi les parkings là, non? Voilà, la guerre déclarée. Merci. Ouais, au pire on y va directement. Ce sera plus simple. Et voilà, ça c'est du rapide, hein. Qu'est-ce qui recommence? Mais qu'est-ce qu'il a encore, lui? Tu vas te calmer tout de suite, hein. Alors, la guerre est déclarée, rejoindre le barrage de Duskiae Nord. Alors, l'épisode Duskiae, qui était une bêta. Une sorte d'épisode. Je l'ai pas fait d'ailleurs, hein. Cet épisode-là, j'aurais bien voulu le faire. Alors, c'est quoi ça comme bestiaux? Ouh, des anacs! Anac femelle. Y'a que des femelles là-dedans là! Oui, y'a pitié! Des ancos! Y'a des ancos! On va déglinguer la femelle. Ah, mais non, c'est que tu prends rien en fait comme dégâts. Tiens, prends-toi ça. Et voilà! Ah oui, ça fait moi le malin là! Petite éclipse tactique. Qui fait plaisir. Et là, l'anco. Boum! Ah mais il l'a évité le petit con en plus. Tiens hop là. Un petit tourbillon de Gliadolus. Ah mais par contre rate pas. En fait il est fort, hein. Ils sont forts. Est-ce qu'on a bien fait monsieur de les affronter? Parce que j'ai pas trop l'impression que ça leur fasse des dégâts, hein. Ah si là. Oh là là. Ah ouais mais je prends aussi. Non on va... On aurait pu déglinguer les Alco, mais ils ont là. En fait, je fais que dalle moi comme dégâts. Laissez-moi dégager, s'il vous plaît. On a plus de dégage. Arrêtez de faire foutre. Je m'en vais, je rentre à ma maison. Et c'est comme ça que ça se passe ici. Voilà. On a clairement fait de la merde, hein. Très clairement. Et pourquoi on peut pas monter là? Oh, what? Attends, comment on fait? Faire directement la carte. Pourquoi? Pourquoi? Mais...
Ah, c'est ça. C'est ce barrage là, mais je peux pas passer devant le barrage parce qu'il y a les petits saligots là qui restent devant. Tiens, regarde, ils m'ont déjà repéré les petits saligots là, ils m'ont déjà repéré. Et bah voilà, lui il tire, il en a rien à battre. Prompto il voit ça, boum, à l'up, carabine dans la tronche. Mais calmez-vous! Peace and love, je veux pas vous affronter, vous êtes trop chiant à affronter. Mais non mais, on va se calmer hein. Par contre, il joue votre foutu barrage, ça va me saouler. Finalement, il est censé être là, ici. Mais je veux pas vous affronter. Ah, d'accord, c'est que c'est caché, en fait. Ok, ok. Et madame? Oh, la baise, on est obligé de les affronter, en plus. Merde. Eh ben, prenez-vous ça dans la tronche. Voilà, hop là. Et puis là maintenant, on va prendre l'épée. Et là, ça va faire très mal. Surtout pour les Zanko. Mais, ah, ils font très mal aussi, eux. Mais oh! Arrêtez, monsieur! Pourquoi je peux pas aller à mon point, là, de... S'il vous plaît, j'aimerais aller à mon point tactique. En quoi est-ce un problème de prendre son point tactique? Il fait que de la merde. Hein. Vas-y, il y a de l'us, là, ça me saoule. Bah tiens, maintenant il me le met derrière. Tiens, voilà. Va derrière, bah voilà, tu t'es pris un coup, bah forcément. Tiens, hop là. Hop là, c'est épique. On va très vite mettre un autre sort. Alors, magie. Et tiens, j'ai plus de sort de glace. Donc on va mettre à fond, bing. Et voilà, 109. On va le synthétiser et on va s'équiper de. On va le conserver. On va s'équiper de la foudre. Non, équipement. Merde, je suis con. Mais oui, on sait que t'es con, t'inquiète pas, t'es pas obligé de le dire. Mais arrêtez, monsieur, là, j'ai rien fait. C'est pas moi, c'est eux. Tiens, prenez-vous ça dans la tronche. Tiens, ouais, non, ça sert à rien de faire un regroupement. Vas-y, maintenant. Oh, punaise, c'est vrai, j'ai pas équipé mon arme, je crois. Et voilà, on l'a déglingué. Tu sais, tu restais tranquille, mais on va t'abattre, t'inquiète pas. Hein. Pourquoi tu veux pas l'affronter? Technique regroupement et hop. Du coup, on va voir ce que ça donne. D'accord, ça donne juste ça. Et ben maintenant, on donne un petit coup d'épée. Là, maintenant qu'elle est juste à côté. Et voilà. Oh, c'est de la puissance, hein. Eh oui, elle n'est pas sous-estimée. J'ai eu chaud à mes fesses. Tiens, tu vas t'éclater à toi. Oh, il l'a évité. Tiens, t'as évité ça? Eh bien non, allez hop. Toi, tu vas éviter ça? Non, eh bien allez hop. Ouh, eh bien. 122 XP pour ça. Juste sans foutu, sans... D'accord. Va clairement falloir que j'achète des nouvelles armes, hein, parce que là, ça va clairement pas le faire. Hein. On a mis là du temps. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il faisait pas, au final, pas beaucoup de dégâts, mais c'était des sacs à PV. Hein. Les trucs... Je pense pas que ce serait autant que ça, quand même. Alors, du coup, tu es... Qu'est-ce que vous voulez, tu es... Allez, un peu de parler. Ah, en forme de groupe, maintenant, de combat. D'accord. Le marche. Ah ouais, c'est qu'on attaque. Ok. Et je veux faire équipe avec cet inconnu. Avec moi, des attaques en force pour créer une diversion. Bon, au pire, on va faire accepter, on va gagner de l'XP de toute façon, si on accepte. Normalement. Non, on a... Mais monsieur, vous êtes une bande de petits PD. Mais vous êtes des petits saligots.
Oui, bah de toute façon, c'est pas compliqué pour se déplacer. Allez hop, hein. Et si tu te déplaces à l'envers? Eh ben non, tu peux pas faire marche arrière, d'accord, en plus. C'est super ça. On n'est même pas libre de nos choix, merci beaucoup. Allez, c'est bon, t'es sorti là, tu peux y aller. Une petite sauvegarde, voilà, c'est genre la question, on peut pas sauvegarder. D'accord. Oui, bah ça c'est sûr qu'il va pas comprendre ce qui lui arrive. Et moi je vais pas comprendre non plus aussi, je pense, parce que je vais me faire déglinguer. Je sais pas pourquoi, mais... Tu vois, je... C'est mon odorat qui me le dit. Bon, ça sent l'odeur de chez moi, mais bon... C'est pas très grave. Bon, on va dire que ça sent le... que ça sent l'extérieur. Pour faire genre qu'on est dans le jeu à fond, là. Tu vois. Là, tu vois, par exemple, c'est ça. Ça sent la plante, là. Et bah là, ça pue le soldat, tu vois. Et il nous a remarqué direct. Forcément que ça pue... tout de suite. Et bah voilà. Ramenez-vous, bande de petits saligots. Non mais attends, il nous a fait quoi lui? Moi je te nique ta garde et je boum. Il fait quoi lui? Non mais lui il arrive en retard hein. Il dit oh je vais m'inviter tranquille. Non mais ça sert à rien. Je suis fort, t'as pas besoin de venir m'aider, c'est bon hein. Tu vas plus me rentrer qu'autre chose. Ah, c'est un soldat Magitech en plus. Pourquoi je suis bloqué là? J'ai bu. Mais... Ah, tu sers vachement à quelque chose toi hein. Oh là là. Il regardait, il faisait rien. Bah oui, non mais... Tu t'es cru où toi? T'as cru que c'était la Gay Pride? Bah non, c'est pas la Gay Pride ici hein. Oh là là, puis en plus regarde, t'habilles en noir, on s'habille pas en noir pour la Gay Pride, il faut des couleurs. Oh, il a rien compris au code lui, hein. Oh, je te jure. Alors là, là où, bah qu'est-ce qu'il y a là où? C'est juste des petits saligots, hein. Moi je fais des glingues cachées, des saligots comme ça. Et je bim, tu vois. Hop là, et tac, un deuxième saut. Et voilà. Ouais, c'est pas si compliqué. Ah non, alors, attends, par contre. Tiens, là. Soldat Magitech là, faut le défoncer. Mais non mais. Non. Hop là. C'est maintenant ou jamais. Et bim. Enfin, on va récupérer un peu parce qu'on est un petit peu dans la mouise. Niveau PM. Voilà. Alors je sais pas pourquoi là en fait. On n'est pas du tout caché. On est clairement en plein milieu. Mais c'est un endroit pour récupérer de la vie. Faut chercher à comprendre. Regarde, ici on peut même pas. Voilà. Si on se cache pas. Là, ici, pas non plus. Ils sont bizarres leurs trucs. Hein. Si, on peut pas. Bon, en même temps, là, on peut entrer dans le truc. Mais c'est bizarre. Regarde, ici on devrait peut-être. Bah, ah bah si on peut. T'as de la chance. Tu t'en sors bien. Un superbe Alexir. C'est pas trop mal. Alors. C'est un petit peu étroit ici hein. Eh hey, me prends pas par derrière toi, tu veux faire quoi là? Des petits cochons va hein. Ah tu sais cru que je t'avais pas vu venir là. Oh là là. Ouais, retourne dans tes Gay Pride de poignet noir là. Enfin habillé en costume noir plutôt. Bon ça a des coups racistes. Oh ça pue ça. Hop là, et là il est vulnérable. Et là on veut déglinguer sa tronche. Et là, et troisième. Et bim. Attaque de dos, et ben oui, c'est ça qu'on veut. Ah mais il est pas encore mort en plus. Voilà, j'ai enfin réussi à monter. Non mais oh, arrête tes conneries monsieur, hein. Les autres dans le t'as quand même plus de PM, hein. Allez, si on a couvert normalement. Bah non, on peut pas récupérer les PM, bah merci. Là t'as couvert? Bah non. Mais où est-ce que t'as couvert en fait là? On sait jamais où est-ce qu'on a couvert, c'est ça qui est chiant. Non, pas couvert. S'il y a couvert,
Ben non, pas couvert. Oh là là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Mais pourquoi tu vas par là? Mickey, Mickey, s'il veut, lui. Moi, je l'ai par là-bas. Hein. Mais non, on revient par là, je suis con. Mais on n'est pas couvert ici, là. Moi, j'ai un truc à couvrir. Ah, bah, de toute façon, j'ai récupéré tous mes PM. Un fortifiant musculaire. Ah, ça, c'est bien. T'as qu'à dire tout de suite si j'ai pas de muscle, hein. Ah, mais pourtant, je vais à la salle de muscu et tout, mais apparemment, c'est... Non, il faut quand même que je prenne du fortifiant musculaire. Bah merci, ça fait plaisir. Ma fierté en prend un coup là. Hein. Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte comment ma fierté elle en prend un coup? Ouais, bah voilà, il y avait rien de compliqué. Oui, ils avaient juste quelques soldats massacrés. Et nous on avait toute une blinde et puis eux ils avaient 4, 5, 6. Bon, 7, 8, 9, 10 plutôt, mais. Ah, bah là ça va être marrant, tu vois. Là, ils vont ramener la garde rapprochée. Quoi qu'il y a, Loki? Corps l'immortel. Ah, mais il s'y croit, lui. Hein. Pourquoi il a une voix si robotisée? Ah bah oui, c'est un robot, je suis con. Mais pourquoi je suis aussi con, bah, hein? Ah bah ça, c'est une bonne question. Alors là, il y a une drôle de tête robot. Ah mais il fait super élancé hein. Ça pourrait être un truc encore hyper blindé mais il a l'air hyper agile. Ses bras sont hyper élancés et tout. Il a l'air hyper très habile. Ah alors toi le sniper déjà on va te déglinguer tout de suite. Aussi le deuxième. Vu toi là-bas. Ah t'es pas mort en plus. Allez on attaque le bas. On voit bien qu'ils ont du mal. Ah c'est un soldat magitech lui. Pronto à terre. Comment ça? Il est Pronto là. Il nous a déglingué Pronto. C'est où ce bordel? Niveau 22. Comment ça niveau 22? C'est pas possible ça. Ah faudrait que je fasse corps régissement du jeu. Corps régissement du jeu. Ouais. C'est plus simple ça. Vas-y fais un des suspense, ça devient au revoir. Ouais si ça passe. Tu sais, c'était pas prévu, hein. Logiquement, à l'origine, c'était niveau 6, hein, c'est tout. Oh, ça, c'était classe, quand même. Ça, j'ai bien aimé. Mais comment tu perds? À moins qu'en utilisant... Oh, attends, on va se mettre à couvert, quand même. Ouais ça va mais par contre tu tiens pas trop hein. Il y a encore des gnagues pour tout. Ouais mais vache mais c'est quoi qui me balance tout le dégât avec ça? Oh je suis con c'est mon arme. Oh le con est. Vas-y, mais donne-la! Mais laissez-moi crever, bande de PD. Bah voilà. D'accord, j'ai pas compris. Oh la vache! Eh mais par contre, Prompto, il a eu que dalle d'XP. Ça me plaît pas. Ça me plaît genre pas du tout. Hein. Yokuyatta! Nakanaka no goki da! J'espère. Bah, va retourner espérer en faire si tu veux.
T'inquiète pas, je prends toujours soin de moi. Et bim! Encore plus d'XP! Alors oui, qu'est-ce qu'il y a là? On voit la belle route! C'est bon? On va pouvoir prendre la route? Non mais tu peux marcher plus vite? Ah d'accord. Pourquoi marcher à côté de la voiture alors que t'as... Montez dedans! Oh mais ils sont cons, mais ils sont cons! Mais prenez la voiture! Oh là là! Pff. Quelle bande d'incapables! En plus, elle fonctionne la voiture, quoi. Donc vas-y, suite. Et voilà, bah du coup, il se fait niquer, prompto. Au pire, je le referai, puis voilà. Comme ça, au moins, j'aurai bien l'XP pour tous les persos. Parce que je trouve ça moche, quand même. Ça me fait chier. Alors, le robot, il est un peu moche. Hein. Ah, c'est dommage qu'il y ait... Justement, il y a un filtre. Non, il n'y a pas de filtre. C'est l'effet de la lumière. Ouais, elles sont pas tip top là les photos, hein. Je suis un peu déçu. Chapitre 3, un vaste monde. L'Empire est un ennemi puissant et Noctis a un long chemin devant lui avant d'avoir une chance de reprendre le cristal. Il part donc à la recherche du pouvoir de ses ancêtres. Eh oui, il a échappé à la mort, qu'est-ce que tu crois? Luna Freyna va tomber. Oh, c'est ça, oui, comme si vous avez tué ma femme. T'es cru quoi, toi? Un Nox. いまや帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。 いよいよ新しいとこに入るね。ようやくスノブゴリから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方。湿地帯が有名だな。湿地帯。チョコボが生息する森もある。来たチョコボ。チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方。レスタルムの街がある。 Le météore? Quel météore? Ah! Tu veux être le cristal blanc qu'on voit là-bas? C'est un cristal qu'on voit un peu dans tous les épisodes. On voit beaucoup dans le 12. En Final Fantasy 12. Allez, ben on fait le plein alors, t'inquiète donc pas. Station Quernix d'All-Star. Oui, oui, ben attends. Il est désormais possible de conduire la Regalia à tout moment. Bah ben, de toute façon, c'est pas ce qu'on pouvait faire avant. Ben, je comprends pas là. Ah bah ben, tiens, direct, ben, allez hop. Mais c'est qui Iris? Lestalum. Ah, c'est pas l'autre fille qui nous a aidé là juste avant? Je me souviens plus d'elle. La fille qu'on a rencontrée avant de rentrer dans le mur étroit là. Pour le guet-apens. C'est où est-elle? Ah, d'accord. Parce que t'es sa sœur. T'es son frère plutôt. Qui ici à prompto? Oh yes!
Ah ouais, va falloir faire du chocobo, hein. Rejoindre le relais de chocobo. Eh ben oui, c'est la base. On est obligé. Eh ben oui que ça va être cool, hein. Alors, bah on a 0 XP. Et donc, en fait, on est où? D'accord, on a fait... On a juste passé le barrage. Donc, on aura accès à tout ça. C'est cool. Et donc, le relais Chocobo, c'est ça là-bas. D'accord. Mais de toute façon, avant, on fera toutes les petites quêtes secondaires qu'il y a à faire avant. Histoire de bien nettoyer la zone avant. Avant de passer à la zone de Dioscaï, justement. Et puis voilà! Bon, et eh ben. Sympa ces petites heures de repos là. Hein. Ça me déjà un peu plus de gueule. La route a aussi déjà un peu plus de gueule. Ça fait plus. Je vais dire plus route, mais c'est déjà de la route donc. Ça fait plus fréquenté quoi. Bon, et eh ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Alors sur ce, je vous dis à plus tard et à tchèfette de Pâques!